Moi, je suis rentré en écologie il y a à peu près une quarantaine d'années par l'agriculture, parce que j'ai été ouvrier agricole, j'ai connu donc l'agriculture dite moderne, qui utilise énormément de substances chimiques, toxiques, etc. Et j'ai refusé de rentrer dans ce système toxique. Et aujourd'hui, nous sommes à Terre-Humanisme, qui est la structure à partir de laquelle nous travaillons sur l'écologie. Au nord comme au sud, nous avons des programmes au sud, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Maroc, bientôt à l'Europe de l'Est, bientôt au Laos, etc. On a proposé des solutions, on a appris aux paysans à respecter sa terre, à l'améliorer, à respecter le milieu, son environnement, tout en se nourrissant, même mieux qu'ils ne l'auraient fait avec des substances chimiques, etc. Alors bon, donc on s'est beaucoup battu. Ici, on a créé une école qui relie. Qui permettent aux enfants de comprendre aussi l'écologie. Il y a une structure qui est en train de se créer dans la Drôme qui est entièrement vouée à l'écologie, 55 hectares avec une ferme écologique. Aujourd'hui, il y a une énorme problématique, c'est la problématique de l'immigration. Il devrait y avoir des programmes internationaux destinés à maintenir les populations là où elles sont, en les aidant à améliorer leurs conditions. Le problème aujourd'hui, c'est. Ça se résume en une chose simple. Nous sommes très performants en technologie, donc nous sommes très avancés en technologie, mais nous sommes très en retard par rapport à la conscience. Et du coup, on devient dangereux. On devient dangereux pour nous-mêmes. Il faudrait que l'humanité mette en commun tout ce qu'elle a de meilleur et qu'on échange ce que nous avons de meilleur. Et avec ça, construire un monde différent.